Épisode numéro 54 avec Sonia Von Sacher. Qu'on a invité parce que c'est la personne dans l'histoire du bordel qui est venue voir le plus de shows, grosse geek d'humour. Sinon, moi je suis en show dans pas long à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or. Il y a Les Rebelles aussi qui est un show avec moi, Pantelis, Thomas Levac, Maxime Martin et un invité surprise. On est à Saint-Eustache au 10-30 puis d'autres villes. Fait que checker ça sur mes médias sociaux. Moi je suis pas sur ce show-là parce que je suis un petit doux, pas rebelle. Ça a l'air. Bon épisode. Il y a un bug technique, on filme autrement. C'est ça qui se passe. Mais bon épisode. Yes! Vous avez compris le concept, Steve? T'es toujours à l'aise? Oh, ouais! Yeah! That's it! Faites un maximum de bruit pour notre deuxième juge invité, Sonia Von Sacher! Sonia! Pour ceux qui connaissent pas trop Sonia, c'est la fille qui a vu le plus de shows d'humour au bordel depuis son ouverture. On a commencé à te voir dans des podcasts où tu parles un peu de ton métier de travailleuse du sexe. Puis avec les années, on est devenus amis, je pense. Oui, on est amis, c'est sûr. Je suis la fille dans tous les podcasts que vous avez jamais vus de votre crise de vie, finalement, parce que je suis dans tous les podcasts. En dehors de ça, je suis aussi la fille qui est toujours en première rangée, qui rit trop fort. C'est moi, ça, au bordel, depuis 6 ans. Maintenant, ouais. C'est pour ça qu'on se connaît si bien. En ce moment, je suis probablement, si je me trompe pas, la première juge qui a jamais été comme sur la scène. Ah, mais il faut que tu fasses un 3 minutes sur 5. Ben, écris-le moi. J'attends juste que tu me l'écrives, bitch, parce qu'en attendant, moi, j'ai rien à dire, là. T'as-tu des conseils à donner aux humoristes? Lui m'avait promis 3 minutes de jokes de pute, là. Je les attends encore, tes jokes de pute, parce que... En attendant, je les ai pas encore. OK, on va t'écrire un 3 minutes de joke. J'aurais jamais le guts de faire ce que le monde font en ce moment, mais je vais tellement vous juger comme une langue sale par exemple, parce que ça, ça, je suis capable. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes? Toi qui as vu 800 non, fuck all. Moi, en fait, c'est ça l'affaire. C'est que l'affaire... Pourquoi on t'a invité? c'est ma question pour vous autres. Pourquoi vous m'avez invité? Ben, tu t'es invité un peu, là. Dans ma chambre. Merci, Anto. Ben, moi, j'ai pas rapport là-dedans. C'est lui qui t'a... Moi, je suis content que tu sois là. Merci. Mais c'est Charles qui t'a booké. Merci, t'es fin. En attendant, ce que je veux dire au monde qui va se présenter, c'est que si moi, je ris trop fort puis vous m'entendez rire trop fort, ça veut pas dire que c'est bon, votre affaire, parce qu'il y a rien qui me fait plus rire d'envie que le malaise. Fait que si je ris trop fort, c'est peut-être pas un bon signe. T'as-tu déjà ri pendant ta job, justement? Un moment malaisant? J'ai trop d'anecdotes pour le temps qu'on a. T'as pas idée. OK, parfait. On m'a écouté les podcasts. Écoute, 14 000 podcasts, tu vas voir toutes les anecdotes que j'ai. Je pouffe de rire tout le temps. C'est ça l'affaire, c'est que je ris trop fort, trop tout le temps. Je m'excuse d'avance. Fait qu'on sort ça? Yeah! On tape ça! Yeah! Et on accueille la première, Jade Gagné Lavoie! Allô? Je te donne une feuille. Allô, ça va bien? Je me présente rapidement, Jade Gagné Lavoie, mais sinon, mes proches m'appellent Sugar Tits. C'est vraiment, là, comme vous êtes le plus à l'aise. Tiens, mon homme. Mettra ça dans ton grand 2-2 demain matin. Comment tu dis ça? T'es mieux la cassonade? Pas de problème. Moi, récemment, j'ai un collègue de travail qui est venu me voir pour me dire « Jade, toi, là, t'es vraiment la lesbienne qui a l'air la moins lesbienne que j'ai vue de ma vie. Excuse-moi pour la confusion, hein? C'est parce que je suis comme partie vite à matin et j'ai oublié de mettre mon strap-on arc-en-ciel. Approche-toi surtout pas trop de moi. Je voudrais pas t'accrocher et puis te couper avec mes ciseaux. Les astis de ciseaux. Oh, on va s'en parler. OK, on va s'en parler. Moi, je me questionne, en fait. J'aimerais juste savoir si qui
la personne qui a rendu ça la position officielle du sexe lesbien. OK? Parce que cette personne-là a premièrement A, pas de clitoris, et ou B, est une unijambiste. Fait que moi, mon guest final, c'est Terry Fox. Donc, Terry, si je peux me permettre, Terry, premièrement, mes hommages. Mais moi, Terry, je veux juste un orgasme, OK? Pas jouer une long game de Tetris qui pique. Terry s'est dit, j'ai jamais fini, ben vous autres non plus, tabarnak. Non, mais j'y en veux pas à mon collègue pour vrai, j'y en veux pas parce que je le sais que c'est un peu vrai au fond là, que j'ai l'air straight. Puis j'ai eu la preuve la semaine passée. J'étais allée manger au resto avec ma blonde habillée en stéréotype lesbien. Pour vrai, là, on avait tous les éléments. La tuque roulée, les clés, les ongles rongés, la bague de pouce. Puis on a appelé ma blonde monsieur. J'ai tellement l'air hétéro qu'on misgender ma blonde. Bravo, Jade. Merci. Bravo. Jade gagne la voix. D'où c'est que tu sors? C'est la première fois que je te vois. T'as comme un petit accent, on dirait aussi. Je viens de m'attendre. Ça, c'est... Mais... Pierre Légaré, venais-tu de Matane aussi? T'as... Qui? Ah, OK. Non, mais non. Un vieil humoriste. T'as un peu le même delivery, mais si tu sais pas c'est qui, c'est non, pas grave. Non, je sais pas c'est qui. Il est décédé, c'est pas grave. Ah. C'est, on il fait les annonces d'un papier de toilette cascade. Mais tu viens de Matane. C'est tout ce que t'as fait dans ta vie? Non, hey, j'ai... Ben, ben, j'ai la même question, en fait. Tu sors d'où? T'es bonne en tabarnak? Ben, j'ai fait les cours du soir avec l'école pendant la pandémie. OK. Comme ça, j'en ai fait un peu ici par là, mais tu sais, les bars y ouvraient, fermaient, tout ça. Puis je dirais que j'en fais pas mal depuis septembre. Là, j'ai une soirée à l'orbite, dans le Vieux-Port. OK. Une soirée qui start à Verdun aussi bientôt. Très cool, mais Chris, t'es solide, là. Tu sais écrire, tu sais être sur scène, t'as tout ce qu'il faut. Je sais pas quoi dire de plus, à part que Charles, ça fait longtemps que t'as donné un spot à l'open mic, mais je dis ça de même, là, vraiment, vraiment comme ça. Mais tu donnes-tu un spot? Tu veux-tu jouer à l'open mic? Ben oui. Ben oui, OK, c'est réglé. Ben voilà, là, oui! Mais ça! Merci. Ben oui! Moi, j'ai adoré ton delivery. Par contre, j'ai l'impression qu'en mettons en format 15 minutes ou une demi-heure au headliné, j'ai peur que ce soit peut-être un peu monotone. Mm-hmm. Mais là, en 3 minutes pour capter l'attention, c'est parfait. Mm-hmm. Vu que tu commences, je te dirais, essaye quand même d'autres deliveries pour le fun, pour le jour où tu vas headliner pour faire des demi-heures, 45 minutes. Mais tu es super drôle. Bravo, j'ai rien. Vraiment, puis j'ai aimé l'entrée en matière de ta thématique sur le fait que t'es lesbienne. C'était bien emmené, c'était pas juste un statement pour... c'était vraiment anecdotique, puis tu parlais de ça, mais sans genre mettre le fer là-dessus, puis juste comme « Hey, je suis lesbienne, riez parce que je l'ai dit. » Non, non, il y avait des blagues, pas juste le sujet, puis c'était anodin, j'ai trouvé ça cool. C'est ça, c'était bien emmené, tu sais bien écrire, bravo. Puis Tetris avec qui pique, là. Ah, ça, c'était malade. C'était malade. Très fort. Je sais pas si quelqu'un veut savoir ce que j'ai à dire, même si ça n'a pas rapport comparé à vous autres. Moi, j'ai deux questions. Premièrement, c'est où, Matane? C'est le début de la Gaspésie, mais ça insulte les Gaspésiens qu'on dise qu'on est de la Gaspésie. Puis le Bas-Saint-Laurent non plus, ils veulent pas de nous autres. Fait que c'est comme une ville tampon, là. Deuxième question. C'est bon, ça répond à ma question. Deuxième question, on peut-tu se follow sur Instagram? Parce que moi, je suis vraiment très partiale aux belles blondes avec des crop tops lesbiennes comme toi. Parce qu'en ce moment, là, genre, faut vraiment qu'on se follow sur Instagram. Je vais venir t'avoir tantôt. Je savais que j'allais être partiale aux filles qui étaient trop... Genre, on peut pas avoir du monde belle comme elle qui passe sur scène. Genre, en ce moment, genre, j'en peux plus, là. T'as l'air de Gilbert Rozon à la France. Un incroyable talent. Mais j'ai le droit! J'ai le droit! C'est mon travail!
travail! C'est mon travail! T'es assez belle! Voulez qu'on se follow sur Instagram? T'as marre! On se follow, toi pis moi, man! Je vais venir te voir, t'as si tu te sens pas bien, fais-moi un clin d'œil, on va sortir. Non, mais... Sonia! Oh non, mais tu chaud, tabarnak! Inquiète-toi pas, pour vrai! Même si tu te fais cancel, on l'a vu aujourd'hui, tu peux revenir. Fait que c'est chill. Moi, je me fais cancel chaque fois que j'ai un micro d'en face. Je suis habituée. Vous soyez habitués, vous allez être démonétisés au bravo, moment. Bravo, Jade. Mélissa va prendre des informations pour l'Open Box Bordel. Jade Gagnier, la voix! Bravo! Yes! Oh my God! Je m'excuse. Attends, je vais juste faire des vérifications. Est-ce qu'on a d'autres belles blondes sur le spectacle? Hey, s'il vous plaît. Non, il faut que tout le monde soit laid à partir de maintenant parce que là, elle, j'en peux plus, là. OK. Tabac. Le prochain, j'espère qu'il est laid. Pierre-Olivier Daou! Dis-moi qui est laid. Ah, je suis correct. Est-ce que je corresponds aux critères? Mettons, toi, tu me trouves-tu beau ou... Bah! OK, cool, merci. Moi aussi, je peux te donner mon Instagram, si tu veux. Okay. Yes! Fait que moi, c'est PO, puis j'étudie en théâtre. Fait que oui, pour ceux qui se demandent, je suis en manque d'attention, je suis pauvre. C'est moi qui crie dans le corridor du cégep, puis mes parents m'ont relié de l'héritage familial. Eh oui. Mais là, vous dites, non, mais tu sais, quelqu'un qui étudie au théâtre, sa vie, elle doit être assez facile. Mais c'est pas mon cas, OK? Parce que moi, ben, récemment, on m'a diagnostiqué un problème de santé assez grave, là, pour vrai. Puis je fais pas ça pour faire pitié, pour vrai. Puis ça s'appelle la procrastination. C'est fucking dur, pour vrai, vivre avec ça. Puis moi, ça a commencé en plus semaine 3 sur 15 du cégep. Genre, Chris, ma procrastination est précoce, là. Genre, ça arrive à qui, ça? Puis non, pour vrai, c'est vraiment un problème difficile, vivre avec ça. Je vous le conseille pas. Parce que, tu sais, c'est quoi les symptômes? Tu passes ta journée à gamer, puis le soir, tu lis ton livre toute la nuit, puis le lendemain, tu poches ton examen. Comme, c'est pas si pire, là. Mais, sinon... Si je vous donne un conseil si vous voulez réussir malgré cette maladie-là. Ben dans le fond, il y a trois méthodes. T'sais. Il y a se prendre d'avance, et ça, c'est pour les hosties de cave. Il y a tricher ou tu peux prier. Moi, je prie, pour vrai. Ben, t'sais, ça marche pas vraiment parce que... ben dans le fond, je pense que mon compte n'est plus à jour. Là. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas prié. Là, comme, t'sais, la dernière fois, pour vrai, ça fait vraiment longtemps. Là. C'était comme dans le temps que je priais pour genre pas me pisser dessus la nuit. Juste pour mettre de quoi au clair, mettons, pour vous, est-ce que, genre, hier, ça fait longtemps, ou... OK. Oulala. Mais... l'autre fois, OK, pour vous donner un exemple à quel point cette maladie-là, c'est grave. 8 septembre, fait 25 degrés dehors. J'ai un examen de philo le lendemain, puis j'ai pas encore étudié. Fait que, tu sais, je passe ma petite commande à GC, je suis comme... Hey, yo, monsieur... On se parle de même en chum. Hey yo, monsieur avec une jupe. Là, je sais que c'est la canicule, mais on peut-tu revenir à tunique? C'est parce que, vu d'en bas, c'est un peu dégueulasse. Hein? Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, ma commande pour vous. Je viens de vivre un rêve d'avoir gagné quelqu'un. Je suis désolée, mais j'ai tellement eu de fun d'être gagné. Ben, c'est la première fois que je me fais gagner par une travailleuse du sexe. Ça m'était jamais arrivé. Garde-toi, man. Rentre-moi dedans. Moi, c'est ça. Je fais d'envie de me faire rentrer dedans. Vas-y, man. Je suis même pas sûr qu'il est majeur. Mais c'est bizarre. Moi, sérieux, si ce gars-là, il me book, je le carte. Je le carte avant parce que j'ai écrit ce qu'il y a l'air d'avoir 17 ans et demi, là. Mais revenons à l'humour. Je veux juste dire que c'est Charles qui m'a dit de gagner, là, mais c'était mon rêve de peser là-dessus, là. Ah, c'est correct, c'est la deuxième fois qu'il c'était me gagne. Je suis rendu habitué, c'est notre petit lien. Tantôt, il m'a appelé Philippe. C'est parfait. T'es plus drôle en impro qu'avec tes textes. Ce qui est pas plus, une bonne nouvelle. J'ai même pas été pris en impro, fait que... Non, mais c'est la deuxième fois que tu viens et je suis curieux, t'as-tu joué entre les deux? J'ai fait 4 shows depuis. Ce qui est très peu et t'avais peu de shows aussi avant. L'autre fois, c'était mon deuxième, fait que là, c'est mon sixième. Sixième, ouais. Ça paraît que c'est en théâtre. Non, mais pour vrai, il y a un truc de très cool ce soir. Oui, ça pourrit comme sûrement t'aurais espéré, on t'a gagné. Mais juste le fait que comment t'as introduit le number, que t'as pris les choses au bon, que t'as fait de l'impro, t'as fait un 20 secondes de gag improvisé, juste ça, là, genre, ça va te rouler dans la tête.
puis essaie de retrouver cette aisance-là dans ton écriture, puis prochaine fois que tu t'écris, puis tu vas pogner un fou step. Là. Le fait que tu aies réussi à débloquer ça sur scène, si tu viens de pogner un step en stand-up solide, on s'en fout que tu te sois planté. Si t'es pas planté, ben non, si t'es planté, c'était pas bon, mais... mais pour vrai, juste pour ça, ça valait la peine que tu viennes au gang show. Right. T'as gagné quelque chose à soir. C'est quoi que... Pourquoi vous m'avez gagné? Genre, l'écriture ou... Parce que l'autre fois, tu m'avais dit l'écriture aussi. Mais ouais. Je m'excuse, là, c'est plate, là, mais Chris, je vais apprendre, c'est-tu? Ben, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Attendez, tabarnak! Ouais. Très bonne question. Oui. Expliquez-leur, man. OK, moi, d'après moi, pourquoi ça n'a pas ri tant que ça? Parce qu'on t'a gagné à cause des rires. C'est le public qui a toujours raison à la fin. Il n'y avait aucune vérité. Tu sais, j'y crois pas que tu pries. J'y crois pas l'idée de parler à Jésus. Il n'y a aucune vérité là-dedans. Puis t'as l'air d'un petit gars qui raconte sa vie. T'es pas un personnage, mettons, la François Bellefeuille, où tu sais que c'est un personnage. Fait que là, j'y crois pas. Le fait que tu sais, il manquait une espèce de déclencheur que j'avais pour qu'on ait le goût de t'écouter, pour qu'on ait le goût comme de « Ah, oh, pauvre petit, il est vraiment genre, il fait rien. » Ben le petit 6 pieds. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais parce que là, l'autre fois, les jokes politiques, non. Là, parle de ta vie, non. Là, tabarnak, c'est quoi je dois faire? Non, tu peux. Non. OnlyFans ou c'est quoi mon option? Hey, s'il te plaît, moi j'attends juste ça, des jokes de OnlyFans. By the way, you guys... Je vous ai entendu avec les jokes de Daddy Issues, là. J'étais là, là. Ouais. Je vous ai entendu. Mais là, attends, là, c'est lui le centre fâché, de l'attention, là. C'est pas toi. Je suis très correct avec ça. En attendant, je te carterai. All right. Bon, tu peux faire des jokes politiques, tu peux parler de toi, mais il faut que tu réussisses à accrocher le public pour qu'il ait envie d'entendre la suite puis qu'il soit sur une espèce de corde raide de « Oh, c'est qui s'en va? Qu'est-ce qu'il va dire avec ça? » Prier Jésus, trouver des solutions à la procrastiner. Il faut que tu m'arrives avec des bonnes idées, des affaires intéressantes, des trucs, quelque chose de différent, là, t'as pas accroché mon attention. Fait que des jokes dans le vide où je suis pas accroché font moins rire que des jokes où « Oh shit, qu'est-ce qui va se passer? » Ou mets un élément de tension de comme... mon prof me dit que si je passais pas cet examen-là, je coulais mon année. Si je coulais mon année, mes parents me collaient dehors. Fait que là, j'avais 8 heures pour trouver une solution pour apprendre un an de biologie. Là, tu m'accroches. Pourquoi tu résumes ma vie? Non, mais dans le sens que là, tu mets une espèce de un petit quelque chose pour que je comme OK, comment que trouver la solution? Là, tu fais juste parler que t'es un gars. Ça manquait d'intrigue. Ça manquait d'intrigue. C'est plate, tu commences, c'est juste du stage time. En fait, c'est le jeu. Le fait aussi que tu dis que tu étudies en théâtre, moi, je suis all-in sur OK, m'a jugé ton jeu. Puis mais j'ai lâché. Ah, OK. Mais on voyait le jeu. Et la différence avec le théâtre, même si le théâtre, il ne faut pas que tu vois le jeu, mais en stand-up, ça ment pas. Là. On le voit s'il y a du texte ou si tu nous parles. Puis c'est pour ça que je te disais que tu te réécouteras, tu reverras ce que ton intro t'a été toi. Si tu réussis à aller rechercher cet essence-là dans ton écriture, les jokes vont venir avec. Dans ton écriture, quand tu vas retrouver ce naturel-là, juste en réfléchissant à comment à ce que tu veux dire, ça va venir tout seul. Écoute le film, tout le monde qui nous écoute à la maison, écoute le film Punchline avec Tom Hanks. C'est un film sur le stand-up des années 80-90, puis il y a une madame dans ce film-là qui commence à faire du stand-up, puis quand elle lit des jokes que tout le monde y a écrit, ça rit pas, puis après ça, elle commence à parler de sa vraie vie, puis là, tu vois vraiment comme « Oh shit, OK, là, je comprends. » C'est vraiment un bon film pour comprendre l'essence du stand-up. Fait que je te dirais, écoute ça. All right. Puis c'est pour ça qu'il y a tellement de monde qui passe sur votre show, puis qu'après ça, quand vous leur parlez, ils lâchent de quoi, puis le monde rit vraiment plus fort que quand il faisait les jokes qu'il avait écrits. Ouais, l'impro, ça explique exactement ce que tu disais, exactement. L'impro, whatever, des fois, sont vraiment plus drôles, quand ils n'ont pas rien écrit, tu sais. Et t'as 18 ans aussi. C'est 17 ans et demi, moi, je le carte. Non, 17 ans et demi. Il n'y a pas 18 ans, ça va ce gars-là. Avec le temps. Il n'y a pas 18 ans. Continue parce que t'as quelque chose, vraiment. Ouais. All right. Yeah. Ouais, merci. Pierre-Olivier Daou! Et on continue avec le Marquis de Sade! Ah! Bonsoir. Attendez, hop, allez, voilà. Bonsoir. Alors, moi, c'est ça. En fait, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit cours de stand-up. Je voulais vous apprendre à... Voilà, je voulais vous faire apprendre à faire du stand-up. Comme ça, n'importe qui rêve de faire le gang show peut faire le gang show. Ça, toi, par exemple, tu pourrais faire le gang show la semaine prochaine. Est-ce que ça te tenterait? Non? Ok, ça t'évite de sucer la queue de Charles, mais... J'ai pas
Même si moi j'ai trouvé ça très agréable. Moi j'ai trouvé ça très agréable de discuter avec Charles parce que, comme, en tout cas, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Je vais vous apprendre à faire du stand-up aujourd'hui. Donc, ouais, pour faire du stand-up, il suffit d'être courageux, drôle, et aussi savoir surprendre le monde. Gah! C'était surprenant, non? C'était surprenant. Il est aussi primordial, très important, de se rappeler de son texte. Moi, je suis tellement TDA que... Attendez. Moi, je suis tellement TDA... Attendez, parce qu'en fait, je viens de me rappeler que je fête un événement mémorable aujourd'hui. En fait, il y a un an, jour pour jour, j'ai vécu ma première psychose chimique. J'ai eu l'idée géniale de prendre du LSD en redescendant d'MDMA un lendemain d'un autre trip d'LSD. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La douce ville de Tadoussac. Tadoussac. Non, mais est-ce que j'ai vraiment un problème de drogue quand juste j'aime la drogue? Est-ce que moi je vais aller voir ma coloc pour lui dire « Samantha, t'as un problème de plante ?» Est-ce que moi je vais aller voir mon père pour lui dire « Papa, t'as un problème d'absentéisme ?» Non, ça marche pas, vu qu'il est déjà absent, ça marche pas celle-là. Non mais oui, mais en tout cas, le stand-up, c'est pour ça qu'on est là. Le stand-up, tu vas monter sur scène la semaine prochaine, je te le dis. Tu vas le faire, le stand-up. Mais j'ai une seule question avant. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Ouais. Ouais. Ok. C'est quoi cette idée de donner le cadeau de la vie à un enfant dans un monde pourri qui va expirer dans 20 ans? Pourquoi? Non mais moi je les vois les parents, je les vois les parents qui me disent non mais moi mon enfant va changer le monde. Mes parents se disaient la même chose. Samedi dernier j'ai avalé une pilule que j'ai trouvée par terre dans les toilettes du Café Campus. Je vais rien changer du tout, absolument rien. Non mais ouais. Non mais tu sais à la limite l'adoption, tu sais beaucoup de gens me disent l'adoption au lieu de rajouter un enfant sur terre, tu prends soin d'un enfant qui existe déjà. Mais moi ça j'ai un problème. J'aime pas les enfants, ils aiment pas la techno. Est-ce que t'as déjà vu un enfant en rave? Jamais. Par contre, à chaque fois que je croise un enfant en festival, à chaque fois que j'en croise un, il porte un gros casque comme ça, il écoute sa propre musique. Aucun respect pour l'artiste. Aucun respect pour l'artiste. Vraiment. Non mais, en tout cas, à la limite, moi, si je devais adopter, ce serait sous une seule condition. Si le gouvernement nous permettait d'adopter des vieux. Pensez. Tu prends un vieux de 80 ans, il lui reste 5 ans à vivre, t'as pas le temps de te lasser. Tu lui fais vivre les meilleures années de sa vie. Il prend soin de toi, tu prends soin de lui. Il est majeur, vous pouvez coucher ensemble. Vous pouvez même aller à Tadoussac après. Ah, merde. Ça l'est fini sur « on pourrait coucher ensemble ». Fuck, ouais, j'avais une fin. T'avais une fin de plus? J'allais dire merci de m'avoir écouté. Voilà, c'était le cours de stand-up. Si vous avez des questions pour moi, je serai dans le fond. Merci beaucoup. Voilà. C'était que ça? C'était pour finir justement sur le stand-up. Et le... Ben, t'avais pas besoin parce que c'était la moins bonne partie du numéro qui avait fait le cours. C'était pas censé être drôle. Ouais, merci. Mais je t'ai laissé parce que tu nous as sauvé la peau du cul en venant à la dernière minute. On s'est fait choquer. T'es venu. Ouais, ça me fait plaisir pour vrai. T'es venu 4 fois déjà. J'imagine que c'est assez frais comme numéro. C'est littéralement, c'est une V1 que j'ai testé au bistrot de Paris tout à l'heure, puis je suis venu juste après. Ah, je comprends maintenant. Fait que j'étais gentil, mais je t'aurais gagné à un moment donné. Mais ah, t'avais des bons gars. Mais le faux parti. Blanc de mémoire. Le faux blanc, faut plus ouais, c'est ça. C'est ma copine m'a dit fais le pas. C'est un moment qu'on voudrait tout oublier. Ma copine m'a dit fais le pas. Non. Écoute ta blonde. Ouais. Oui, écoute-la. Je sais. Dès que t'as fait la prémisse de j'ai des trous de mémoire, on savait que t'allais aller là. Ouais, ça, ah, mais je sais. C'est pas grave, ouais. C'est pas grave. Okay. Mais ça a été fait et refait et refait. C'est bon, c'est bon. Même si tu joues bien, on okay. Le sait. Non, mais oui, mais même Mounir m'a dit de pas le faire, mais bon, en tout cas. Ah, puis quand Mounir. Écoute plus ta blonde que Mounir, ouais, par okay, contre. Pour ceux qui connaissent pas Mounir, c'est le gars qui a fait 5000 km pour venir faire le gong show à Paris puis qu'on a gagné après 2 minutes. C'est lui, Mounir. Mounir, je t'aime, Mounir. Oh, il est dans ça, je m'excuse. Non, c'était... Il regarde le live. Okay, c'est triste. Mais pour vrai, je trouve ça cool qu'à toutes les fois, t'arrives quand même avec une proposition différente, puis t'aimes, ça se voit que t'as du fun sur scène, puis t'aimes t'amuser, puis on a du fun avec toi, fait que bravo pour ça. C'est cool, merci beaucoup. Ouais, vraiment. Merci. Merci.
T'es un raconteur né, t'as un talent incroyable, puis là, c'est une première version, puis je sais que tu vas amener ça à des niveaux vraiment plus élevés. Et comme ça fait plus que trois fois que tu as fait le Gog Show, oui! Oh! C'était le Marquita! Yes! Bravo, man! Yes, sir! On t'adore! Bravo. En tout cas, on vient de se fist-bomb, mais moi, je t'aurais gagné, là. C'est personnel. En attendant, tout le monde sait plus ce qu'il fait que moi, mais moi, je l'aurais gagné, là. J'ai un dernier truc à dire, ça va, je voulais le dire, mais comme j'ai encore le BPM comédie, ben oui. Pas du tout, pas du tout. Vas-y. Non, mais pas du tout. Quoique, c'est vrai que le BPM, c'est cette semaine, et checker mon Instagram pour ça, mais c'est pas ça. Là, je voulais faire à combien de gong show réussis on fait un spot de découverte au bordel? On n'a pas écrit de règles établies par rapport à ça, là. Il va falloir qu'on en discute. Parce que j'ai vu Cédric. Ça dépend, t'as-tu l'intention de faire un faux blanc de mémoire? Non. OK, bon, on en reparlera. Non, c'est un truc que je rôde depuis un moment qui est très bon, donc voilà. On peut-tu parler de ça off-cam? Genre? Mais ça va s'en venir, ça va s'en venir. Hey! Hey, c'est ici qu'on met sur le spot. Là, attends. Malaisant. C'est même plus moi qui s'occupe du booking. Il y a ça, et là, je veux le dire pour ceux qui nous écoutent, quand l'épisode va sortir dans la salle, désolé, mais c'est pour les caméras, c'est pas en route vers mon premier bordel ou mon premier open mic, OK? Tout le monde peut faire l'open mic du bordel, c'est juste qu'on leur évite 6 mois d'attente quand on leur donne un spot. On n'est pas... C'est pas un cours, c'est pas... parce qu'on reçoit des commentaires. Pourquoi vous l'avez pas donné un spot? Fermez vos yeux, Asti. Exact. Charles, il run une compagnie, Asti. C'est lui qui décide. Les petits pins du Gog Show, ils ont coûté 89 cents. Là. Fait que calmez-vous aussi. Là. Alibaba, tabarnak. Sur Alibaba. Je pourquoi ça n'a pas coûté cher? Bon, okay, on continue. Vous avez de l'énergie, vous êtes là? Ouais. Et puis, j'ai envie qu'on applaudisse l'humoriste jusqu'à temps qu'il commence à parler dans le micro, s'il vous plaît. On accueille. C'est quoi le nom? C'est Juju C. Ouais! Hommage à mon ami Bruno Marotte. Oh shit! Si jamais vous me gagnez, je vous fouette. Please do! Ah fuck, j'ai un gars qui est tombé. Celle-là est pour ceux qui écoutent 70%. Bon, ça, c'est le bout où j'espérais vraiment ne pas avoir de rire, donc merci d'avoir bien compris le concept. Je t'aime, Bruno. Venge-toi. Je le mérite. Je suis vraiment une bitch. Bref. Mais moi, je suis là pour vous dire que je manque de jugement dans la vie. Est-ce qu'il y en a qui sont surpris? Non, vraiment. Ben, OK. Quand j'avais l'âge de PO, qui a 18 ans, je manquais encore plus de jugement. Genre, pendant que PO à 18 ans est sur scène en train de vous faire rire, moi, j'étais dans un trip de moche, un peu louche, avec une de mes chums de filles qui s'était pissée dessus. On arrive au couche-tard, on pogne, genre, tu sais, les rouleaux de papier de toilette, là, en paquet de 4 qui coûtent, genre, 9$. On l'ouvre, on commence à essayer d'éponger un peu, genre, le pipi parce qu'elle s'était pissée dessus. Puis là, genre, le commis du couche-tard nous regarde, comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis là, je suis comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais chez nous. J'arrive chez nous. Elle m'a pas suivi. Là, je suis tout seul. Je mets de la petite musique. Vincent Vallière. On va se frotter encore au travers du doute, au travers de la route et de plus en plus fort. On va se frotter encore. J'étais tout nu en train de me masturber et je pleurais littéralement. Ça, c'est next level de manque de jugement. Non, depuis le temps, je me suis quand même assagi. Malheureusement, c'est moi, dans le fond de la salle, la seule personne qui a répondu en disant que je suis parent. Juju C! <J'ai>
Tabarnak. Genre, t'as pas idée à quel point ton kit a gagné des points, puis même avec ton kit, tu t'es fait gagner. Genre, fait que c'est grave, là. C'est vraiment grave. Parce que ton kit, je capote, là. C'est bizarre en tabarnak. Oui, mais je sais qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment, mais il y a d'autres façons de me faire travailler au couche-tard. Tu m'as fait comme le commis, j'étais genre, what non. the fuck? What the fuck? Si, j'étais. Tu. Ah, oh, c'était. C'était quoi, tabarnak? Je comprends pas. Là, j'en ai aucune. Moi, je travaille dans le BDSM, puis je sais même pas ce qui vient de se passer, là. Genre, ça, avec le fishnet en dessous de l'affaire de Bull Disco, genre, je peux pas vivre ça en ce moment. Genre, c'est le dernier commentaire que je vais faire, je peux plus vivre ça. Le prix de l'or vient de baisser à la bourse. Ouais, exactement. Oui. C'est non. Il y avait un rabais de 50% le 1er novembre à ma job, Party Expert. Vois-tu, là, je regrette de l'avoir nommé, mais bon, shit happens. Attends, tu travailles au Party Expert, puis tu t'habilles avec le linge de la job? Ouais. Wow. Puis pas juste sur scène, là. Je l'ai dit, je manquais de jugement. Mm-hmm. Ouais. On l'a remarqué avec les blagues. Si seulement c'était des blagues. Mais en fait, oui. Si, t'as tellement. T'as l'air fucked up. Non, mais positivement, t'as de quoi d'intéressant. Tu montes sur scène, on est comme, OK, je veux en apprendre sur cette personne-là. Non, non, moi, je mettrais une grosse horloge dans le cou puis fais-moi du breakdance comme les années 90. Oh, ouais! Oh, ouais! Mais, hein! Ah, ouais, ah, ouais! Non, non, arrête! Non, non, mais non, mais continue. Non, non, mais arrête d'arrête, continue, man! T'as quel âge? Un show, on n'a pas. T'as quel âge? 32 ans. 32. Puis t'as vraiment des enfants? J'en ai une. Ah, c'est triste. À quel âge? 2 ans et 3 quarts. Elle ne pourra pas regarder ça et je vais avoir des grandes discussions avec elle dans plusieurs années. Mais j'ai le temps de penser à ça. Juste rappeler que t'as gagné au moment qu'il a dit qu'il y avait des enfants. Oui. Je pense qu'il aurait fallu te gagner dans la vie, genre juste. Travailles-tu pour la DPJ, Charles? J'ai quasiment le goût, là. Check-y le collier. Non, mais pour vrai, c'est que ça m'irriterait. Ça fait 2 fois que tu viens, puis c'est très disparate. C'est très... c'est pas écrit. Ça mériterait, pour vrai, d'être resserré, parce que t'as clairement du vécu, t'as de quoi à dire. T'es pas obligé d'aller dans le personnel, on s'en fout. Le stand-up, c'est pas que le personnel. Mais, man, si tu reviens, écris de quoi? Écris, il faut que ce soit écrit. Ben, honnêtement, ça a été écrit tantôt dans le métro en m'en venant. Yeah, c'est ça, ouch, non, ça prend... Faut que t'écrives. T'as dit que tu vas faire un hommage à Bruno... Ben, c'était juste le début avec le fouet, le poulet, puis... Ça, c'est un hommage à Bruno dans quel sens? C'est une bonne question auquel j'ai pas vraiment réfléchi. J'avais pas 3 minutes là-dessus, c'était comme 30 secondes. Mais c'est pas grave, regarde. T'sais... C'est vraiment, je voulais créer un malaise. Non, ça, okay, ça, non, ça, bon, voilà, c'est ben... juste ça. C'est mon nouveau personnage. Non, mais legit, c'est un de mes amis, je l'aime d'amour, je suis pas là pour bitcher. Genre, il a fait un malaise au gang show, j'avais envie d'en faire un. That's c'est réussi. It. C'est réussi. Honnêtement, c'est comme mon nouveau personnage de Borat préféré. Moi, j'aurais plus pensé à Bruno, mais bon. Ouais, Bruno, c'est mais en Borat, ça aurait été sûrement vraiment plus drôle. Mettons, avec le kit de Borat, là, t'aurais sûrement fait un nasty de hit, là. Je sais pas. Mais legit, je suis sincère, tout le monde. Je suis sincère. Juju Cyr! Non, Lys! Mais ça passerait pas sur YouTube. Le kit de Borat, là. Non. T'es-tu tombé? Mon téléphone qui est tombé. OK, parfait. Bon, il reste 2 invités pour rester énergie, tout le monde! Ouais! On accueille Raph Bibo! Merci. J'avais presque tout mangé mon assiette. Il restait juste les champignons. Maman m'a dit « Encore 2 bouchées si tu veux du dessert. » J'ai dit « Maman, j'haïs les champignons. » Elle a dit « Ben, c'est tout ce qu'on a comme dessert. » Je sais pas si vous avez remarqué, mais je porte pas mes lunettes de soleil. C'est parce que j'ai enfin décidé de m'accepter comme je suis. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je suis allé voir ma psychiatre. Puis elle m'a dit qu'elle voulait revoir ses lunettes. J'étais tanné de me faire traiter de tapette, fait que je me suis inscrit au karaté.
j'ai arrêté à la ceinture jaune parce que je trouve que le jaune, ça me fait tellement bien. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on doit dire chapelle ardente au lieu de « Yes, sir, on peut checker le cadavre! » Quand tu textes le message « Salut à une fille », oublie pas la lettre A. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Depuis ce temps-là, je texte « Bonjour » à la place. Mais maudit, hier, j'ai quand même réussi à merder. Je croyais avoir bien tapé les lettres du mot « Bonjour ». J'ai fait « Envoyer » et le message affichait « Putain de grosse traînée ». En majuscule. Les gens qui n'ont jamais eu la COVID touchent du bois. Et après, ils se lavent les mains. J'étais au Burger King avec ma date Tinder et elle m'a dit qu'elle me trouvait plus beau sur photo qu'en vrai. Fait que j'ai arrêté de bouger. Tout le monde peut perdre sa bedaine en se mettant à marcher. Même les femmes enceintes, si elles ne regardent pas avant de traverser. Le jour du souvenir, c'est le jour où on se souvient des gens qui aimeraient tout oublier. Wow. Man, wow! Raph Bibeau, mesdames, messieurs, Raph Bibeau! Dude, la joke de femme enceinte, même la joke de... Tu pensais finir avec ça, il te restait 10 secondes, fait que t'as fait la joke du jour du souvenir. Des assez de belles jokes. Pourquoi l'idée, mettons, aujourd'hui, de venir pas de lunettes de soleil en toi? Ah, ben là, oui, parce qu'il y avait des affaires où c'est que je faisais des faces, puis c'était plus visuel. Là. Fait que fait... Parfait. Hey, je t'aime, man. C'est, ah, j'adore ça. Ça fait 3 fois que tu viens... t'arrives à qu'il y ait des... Chris, tu commences en plus, c'est genre ton 5e show? Arrête! J'ai perdu le compte, mais je pense que c'est ma 3e fois. Arrête! C'est ta 3e fois sur scène à vie? Ouais. Arrête, j'ai non, braillé, non, on l'avait gagné là. La 2e. J'ai braillé, ah, t'avais pas réussi la 2e fois? Non, on l'avait gagné. La 2e fois, j'avais fait une blague sur la tuerie de Polytechnique. Puis oui! Oh, c'est les meilleurs, ça! C'est les meilleurs! Puis t'avais gagné après, mais... Puis il restait 5 secondes. Ouais, mais ça fait longtemps, la tuerie de Polytechnique. Le film. Ouais, ouais. Fais un petit bout. Ouais. À ta défense. Ouais. Le film, il est en noir et blanc. Hey, non, mais ce gars-là, je peux-tu l'adopter, man? Il est drôle. Oui, oui. Hey, tabarnak. C'est tout est le fun, man. Tes poses, ta façon de parler, tes poses dans une phrase, le fait que tu tiennes le micro comme une rockstar, puis que tu viennes la livrer de même. Non, comme un rapper. Calice, c'est bon. Tout t'es le fun. Puis tu vas dans différentes zones en plus, autant dans l'humour noir que dans l'humour pété, que dans l'humour cave. Man, ta joke de COVID et se lave les mains. C'est la joke de photo. Mais pourquoi faire un 360? Pourquoi? Mais ce choix artistique. Il enseigne pas ça à l'école de l'humour. Non, non, nos metteurs en scène ne fument pas de drogue à ce point-là. Non, mais y en a que ça vaut la peine l'école. Toi, je te dirais, t'es freelance. Vas-y, paye-toi des trips comme tu fais. T'as-tu fait d'autres shows depuis? T'as pas joué autre qu'au Gang Show? Non, je sais pas. Dude, il faut que tu fasses plus de stand-up. T'es vraiment drôle. Tu pourrais amener de quoi de grand le fun. J'aime vraiment ça écrire. Là, fait que c'est aussi si quelqu'un a besoin. Mais t'es malade, là? Fais de la scène, man. Genre, fais de la scène. C'est la fois que j'ai plus ri à soir. Ouais. Je sais que j'ai pas
aucune affaire à dire comparé à ces deux-là, mais asti, mais j'ai crié ma vie, là. J'ai braillé. J'arrête pas de m'essuyer les larmes, là. Tu m'as fait rire tellement fort à soir, là. T'as pas idée, là. Merci. Genre, j'arrête pas de crier. Je crie, là. Raph Hugo! Tabarnak! Les caméras... je disais, salut Jean-Mich, hein? Il m'a dit qu'il me regardait sur Patreon, c'est un de mes amis. Puis... bon, salut! Fuck? J'ai dit que j'allais dire salut. Okay. Puis, c'est temps de dire bonjour à nos mamans. Le gars qui utilise les caméras comme dans les années 80. Là. Puis, ça, c'est sérieux, là. C'est vraiment pas une blague, mais... j'habite à Québec, là, je suis dans l'autobus, puis il y a comme pas vraiment d'autobus qui retourne à la soir. Y a-tu quelqu'un qui aurait une place à coucher, peut-être? C'est vrai. Oh, dis-moi que c'est t'es-tu sérieux? S'il te plaît, là. Ouais, c'est vrai. Non! T'es sérieux, sérieux? Ouais. Anto, il y a un couch. Non. Triste, non. Ah, non, je l'ai vendu tantôt. Non. Ouais, je te jure, j'ai vendu mon couch. Je suis pas. En fait, je suis. Mettre un lit double. T'es pas quoi? En fait, je suis plus un prédateur. Qu'est-ce que ton. Pour de vrai, si t'es dans la marde, je vais t'aider à trouver une solution. On va trouver quelque chose. À coller des chambres à l'heure, je pense. Moi, je connais beaucoup de motels. OK. Et je possède plusieurs appartements que je loue à l'heure. C'est comme ça que ça marche, la business du sex work. Fait que si t'as besoin d'une place où coucher, je peux t'arranger ça. Est-ce qu'on va fourrer? Combien t'as sur toi, là? Sors ton portefeuille! Sodia! Il y avait pas l'argent pour se payer de chambre d'hôtel. Hey, moi, je suis pas payé ici à soir, esti. Je peux-tu me faire un call ou quoi, là? Combien t'as sur toi, parce que un talent d'applaudissement, s'il vous plaît, pour Raph. Ouais! Hey! Ah, Raph! Ah, non. Bel job. Bravo. Il ne reste qu'une invitée, j'aimerais ça qu'on l'accueille comme une rockstar, la Mariette K! Bonsoir. C'est quand même stressant de me mettre la dernière. Je suis quand même noire, là, quand même. On pouvait me mettre au milieu pour que je puisse me fondre un peu dans la marge en huit noire en dernière position. C'est un peu suspect. On me regarde là, c'est comme si j'étais dans un cirque. Est-ce que ça va ce soir? Est-ce qu'il y a des célibataires ici? C'est bien. Parce que moi, je suis libre comme un électron qui gravite autour d'un noyau. Je suis célibataire. Et vous savez pourquoi je suis célibataire? Parce que quand je suis en couple, d'abord, quand je ne suis pas en couple, le sexe, je m'en passe en titi. Eh oui, quand je suis pas en couple, je tricote, je fais des choses, genre je m'occupe. Mais quand je suis en couple, le mec, il a le buffet à volonté. Il mange matin, midi, grignote même entre les repas. Tout le temps, il mange. Et je pense que quand j'ai un gars, là, je pense qu'il commence à... Il s'enlace un peu. Mais bon, souvent, je change de position. Hein. Parce que là, comme vous voyez, je suis un peu petite, là. Bon, souvent, quand j'arrive en Afrique, quand ma mère me voit, elle me dit, est-ce qu'il y a la famine au Canada? J'ai dit, mais pourquoi? Mais t'es toute petite, tu manges pas ou quoi? J'ai le goût de lui dire, maman, esti, je mange la poutine à tous les jours. Pour vrai, je mange vraiment la poutine à tous les jours. J'habite à Mont-Saint-Hilaire, je conduis jusqu'à la banquise. Pour manger la poutine au chaque attaque, et je suis à deux doigts d'avoir ma photo au mur, là. Une blague avec sa photo au mur à côté d'une poutine. Comme ça. Hein. Vous voyez le truc ou pas, là? Souvent, quand je dis aux gens que je mange la poutine, c'est quoi la poutine? Moi, j'étais mariée à un Québécois.
Vous savez c'était quoi mon réveil quand j'étais avec lui? Puisqu'il faut se lever. Qui connaît ça? Vous écoutez Cogeco Nouvelle. C'est pas fini là. Et pendant que je rêve, j'entends « Bonjour, ici Paul Lacan. » Je dis « Mais esti, c'est quoi ça? » Non, mais c'est au Québec que je suis arrivée puis j'ai compris que les gens, ils capotent sur le café. Chez moi, quand on dit qu'on prend le café, mais c'est avec une baguette de pain. Pas le café tout simple, là. Non. Pour nous, le... Hey, là, excusez-moi, là. Hein? Tout le monde est fâché après moi. Je comprends. C'est de votre faute. Vous êtes supposé de rire, esti. Mais c'est ça. C'est de même que ça se passe. T'sais. En attendant, moi non plus, je voulais pas la gagner. Là. Mais il y avait des rires. Il y avait des rires. Ouais. C'est, non. Je pense que c'était comprends. Le gong le plus doux de la soirée. Oui, c'était dong. Dong. Pas c'est... genre bang, c'était dong. Mais c'était pas... Ouais. C'est ça. Il te restait 5 secondes. Ah! Oh. C'était bien, ça allait. Oh, mais non. En attendant, c'était à vous autres de rire, tabarnak. Bon, voilà. Bon. Mais bravo, pour vrai, je te connaissais pas non plus. Ça fait... Tu sors d'où, aussi? Ouais. Ça fait combien de temps tu fais du stand-up? J'ai commencé vraiment, en fait, ça fait pas très longtemps. Puis je suis beaucoup dans des petites vidéos sur le net. OK. Puis là, j'ai décidé que je veux me faire voir. Oh, yeah! Parfait! Yes! You go! Mais t'as une folle énergie, pour vrai, sur scène. Tu dégages de quoi, puis t'as une drive, t'as une aisance. On est avec toi. Je pense que c'est ça. Il manque quelques gags un peu dans l'écriture, mais ça va venir, puis... Est-ce que c'est drôle de t'entendre dire en titi puis dire des estis, c'est ça. Ouais. Il y a un décalage, mais ouais. Très le fun, tu l'utilises bien. Mais ça manque de gags. Ouais, t'es arrivé sur scène, tu sais, comme t'as pris le contrôle de la salle au complet, t'as comme une prestance qui est incroyable. Je pense qu'il te manque peut-être un auteur ou toi à travailler tes textes, même un peu ouais. plus. Mais j'ai l'impression que le format 3 minutes est pas fait pour toi. J'ai l'impression que t'es une raconteuse, puis 3 minutes, c'est trop court. Fait que t'as comme une petite joke de « je suis le batteur », une petite joke de ça. Fait que c'est peut-être le format, mais si t'es capable d'être super punché en 3 minutes, après ça, ça peut juste te servir à plus tard quand tu vas faire des 15, des 20, des demi-heures, des shows d'une heure. Puis j'ai juste l'impression que tout le monde m'aille dans la salle en ce moment. Mais je les comprends parce qu'elle est tellement adorable. Je comprends que le monde, que tout le monde en ce moment est comme « fuck, pourquoi tu l'as gagné? » Parce qu'elle est tellement adorable. Et en attendant, c'est vrai que ça manquait de gags. Mais en attendant, t'es tellement adorable que moi, je l'aurais retenu son crise de bâton, là, pour pas qu'il gagne en ce moment. Mais je savais pas que c'était aussi long. Je savais pas que t'étais proche d'avoir ton 3 minutes juste parce que, justement, j'étais tellement absorbée. Mais c'est ça, je m'en vénèle. Exactement. Mais c'est ça. Puis j'étais comme, j'étais pendue à tes lèvres. Fait que c'est pour ça que j'étais surpris que ça faisait 3 minutes. Je pensais que ça faisait 1 minute. Parce que j'adorais ta proposition, mais c'est vrai que ça manquait de gag. Fait que, tu sais, plein de monde, justement, il n'y avait pas assez de « ha, 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 ha » dans la salle. Mais ah, ils sont... En attendant... Ils sont juste doux, là. Ben oui, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le temps qu'on fait... Je comprends le gang, mais je comprends pourquoi souvent, nous autres, on s'en veut d'avoir... Parlez pas en même temps, s'il vous plaît. En sourdine. Je m'excuse. Je voulais pas parler en même temps que toi. Je suis désolée. Mais en attendant, je comprends pourquoi ils ont gagné, mais je comprends pourquoi, comme, qui voulait pas gagner ça, avant tu l'as déjà ça. Dit. Hey, je m'excuse, c'est la première fois que je fais ça, Charles. Là. Oui, pour vous, c'est pas grave. Je fais le mieux que je peux, tabarnak. Ben désolé, là. Mais bravo pour vrai. Vraiment, on peut l'applaudir. Yeah! Et au plaisir de te revoir sur une autre scène et te voir t'améliorer vraiment. Fait que la Marietka, tout le monde! Ouais. Bravo! C'est son nom pour moi. C'est déjà la fin du spectacle. Est-ce qu'on pourrait juste applaudir notre juge invité, s'il vous plaît, ici, Sonia Von Sacher? T'as-tu des affaires à plugger, Sonia, avant de t'en aller? J'ai tellement d'affaires à plugger, t'as pas aidé. Premièrement, je vais être sur ton podcast dans pas long, qui va sortir dans pas long. Hein?
mon podcast. Ah, avec Max Martin, oui. Oui. Mais entre autres, ben OnlyFans, là, en partant, là, mais tu sais, comme... Elle me dit dernièrement qu'elle a moins d'abonnés que nous autres avec le Gog Show. Oui, puis ça, premièrement, ça me fait chier en tabarnak, OK? Parce que eux autres, ils ont starté il y a pas longtemps. Puis moi, ça fait 3 ans que je fais cette affaire-là. Là. Puis eux autres, ils ont plus d'abonnés que moi, j'en ai sur mon OnlyFans. Puis ça me fait vraiment chier en attendant. Mais Anto a une solide bonne queue aussi. Ben, il y a ça. Mais il vient vraiment vite. Là, ça, oui. Faut le dire. En attendant, je viens vraiment moins vite que lui. Là. Le truc, c'est ça. Faut que dans tes vidéos, tu invites 10 personnes qui baissent mal. Puis t'es juge pendant que t'es baisses. T'es vraiment invité. T'es vraiment mon premier invité. Hey, si mais ça serait malade, un gars de porn. Ouais. En attendant, ben moi, ma carrière, c'est surtout sur Instagram. Fait que si vous me suivez, sonia.fun.thatcher, je suis là puis je fais des stories toutes les astuces de jour. Et ça, t'as plus de likes que nous. Ça, j'en ai vraiment plus que vous. Je veux pas me vanter. Ben, on n'a même pas de compte Instagram. J'suis très influenceur, là. Non, puis ça, faut que vous startiez un gong show. Anyway. Sonia Van Thatcher! Merci les gars de m'avoir invité, merci. Moi, je veux profiter du moment parce que t'es la première aussi qui est pas humoriste. Oui. Et aussi, c'est pas habituel d'avoir quelqu'un qui travaille dans le milieu du sexe. Et ce qui est vraiment cool de ce que tu fais, c'est que ceux qui ne la connaissent pas, elle s'implique énormément pour les personnes qui souffrent d'handicap. Et ça, t'as comme une mission humaine en plus de la mission humaine qui est d'aider des humains. Peut-être des humains plus. Ouais. Et ben ça, en fait, je trouve ça cool. Maintenant que tu en parles, oui, c'est vraiment ça. C'est que je suis une assistante sexuelle pour les personnes en situation de handicap. Puis ça, c'est une affaire qui. C'est pour ça que je fais autant de podcasts en ce moment. C'est pour parler de ça exactement. C'est que les personnes en situation de handicap, je sais que vous en avez eu vraiment beaucoup sur le show. Des personnes. Non! Pas dans ce sens-là! OK! Non! Non! OK, non, non! OK, oui, oui! Mais oui, la, c'est vraiment important pour moi de travailler pour être sûr de militer pour les droits des personnes en situation de handicap puis le sexe pour eux, etc. Fait que je travaille vraiment fort là-dessus. Puis ça fait, là, genre en ce moment, je pense que c'est la 17e apparition sur YouTube que je fais en ce moment pour travailler pour ces personnes-là, justement, puis qu'on travaille fort sur le fait que ces personnes-là ont une vie sexuelle aussi, puis que le travail du sexe, c'est un travail, puis que c'est aussi légitime que n'importe quel autre travail dans la vie. Fait que merci pour ça. Merci. Merci d'avoir regardé l'épisode. Merci de nous suivre aussi sur Patreon, sur Facebook. Grâce à nos Patreons, on peut maintenant payer les humoristes. Payer les personnes qui font le gong show. Yes. C'est grâce à vous autres, on est très fiers de pouvoir enfin les payer. Puis ce n'est que le début. Oui!